Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal TNH Live. Pour qu'on y a, nous pourrons présenter un grand titre. Président de la République, là, Jovenel Moïse, a trouvé dans le pays Pérou, côté il a participé dans le 8e sommet américain, sommet ça qui aboutit demain samedi, déroulé sous thème gouvernance démocratique face à la corruption. Ministère haïtien qui vive dans le pays étranger, lancé vendredi 13 avril, la semaine d'activité pour marquer Journée nationale diaspora, qui a fait année ça sous thème vers une meilleure intégration pour une Haïti plus forte et plus prospère. Secrétaire d'État pour l'intégration monde handicapé dans tête collée avec ONG, CBM et puis Union européenne remettent à un chèque 2 962 000 gourdes bay à 6 organisations qui travaillent avec monde handicapé dans plusieurs régions dans le pays. Organisation haïtienne observation promotion et défense droit monde signé vendredi 13 avril là un protocole accord de l'année avec plusieurs organisations monde handicapé pour permettre yo gain accès à la justice même gens à tout le monde dans la société. Compagnie aérienne Spirit Airlines inaugure vol Cap Haïtien Fort Lauderdale. Cérémonie s'est déroulée hier jeudi 12 avril là en présence président Jovenel Moïse, première dame République Martine Moïse, ministre TPTCA parlementaire Noyo et plusieurs autres personnalités. Éviter faire la guerre avec États-Unis et puis allier l'UE, c'est priorité la Russie. Déclaration ambassadeur russe dans l'ONU, Vassili Nebenzia, américain à allier l'UE, doit camper sous toute action militaire contre un État souverain, selon diplomate là. Restez avec nos amis TNH, Tita Claude, sujet pour le développer dans le journal pour soir. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Comment l'homme est-il? À qui le soleil a couché? À qui le la pluie? Demain matin, nous parlons de toute information ça y est avec météorologue nous Wilner Polidor. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour prévision météorologique là. Nous sommes en fin de semaine, c'est début de week-end. Nous souhaitons un bon week-end à chacun de vous. Et hier soir, il y a eu un peu de la pluie sur plusieurs départements, surtout dans le département du Sud. On a alors comment la situation est pour aujourd'hui, pour demain. Et pour dimanche, nous gagnons fond froid qui trouvait vraiment sous les Bahamas et font ça lui causer une masse d'air qui humide et instable sous pays d'Haïti. J'en vois sous image vapeur d'eau ça. Même si font ça gagne pour dissiper au cours de week-end, mais humidité qui gagne sous pays a après le provoquer activité la pluie sous pays d'Haïti encore jeudi a. En journée, en soirée, au cours de nuit là, j'en vois sous image de précipitation ça. Département cap concerné, c'est toujours centre Artibonite, département de l'Ouest, Grand Sud et puis Sud-Est, c'est-à-dire toute région sud là ou bien péninsule sud là concernée par activité la pluie ça pour jeudi à soir au cours de nuit là. Et la pluie ça va persister encore pour demain, mais pour demain c'est si tout. Région sud pays d'Haïti cap gain activité plus activité la pluie et département de l'Ouest aussi a concerné par la pluie ça demain qui samedi mais la pluie ça va diminuer par rapport avec dimanche et le lundi n'a commencé gain beau temps sous pays d'Haïti par rapport avec toute activité la pluie qui tombe pendant semaine là et par rapport à hier soir te gain un peu la pluie sur région sud et lundi région sud département Grand Sud Sud-Est Nippe ensuite à l'Ouest gagne possibilité pour gagner quelques zones qui capable inonder et c'est pour ça demander moun yo rete vigilant par rapport avec activité la pluie pendant week-end ça et puis rete veatif si tout côté ka gagne éboulement glissement de terrain et inondation sous zone nous saute cité là pour capitale là c'est un capital qui en bas instabilité par rapport avec mazère là qui était humide et situation là la persister au cours de soirée à demain et après-demain ça veut dire n'a pas attendre nous avec activité la pluie encore jodi a sous capitale avec zone qui environnent yo et sous majorité quartier yo et la pluie ça je nous dire là il y a au cours de nuit là et en soirée et même pour demain et après-demain nous gon température jodi a qui monte jusqu'à 35 degrés et j'en noter elle dit fait chaud hier et jodi encore la fait chaud et aussi la nuit là température a descendre jusqu'à 22 degrés et n'a toujours senti effet de chaleur parce que 22 degrés c'est un peu chaud par rapport à la normale qui compte gagner et pour page maritime là nous gagnons mer qui agité sous côte nord et côte sud mais c'est plus au large mais golfe de la Gonâve
pas rien trop souci pour moi naviguer, mais les apprend le large, faut qu'il prend précaution parce que la pluie que nous prévoyons capable de réduire visibilité à sous à pays à. Et pour page astronomique, soyez la couche jeudi à très tard à 7h06 et la pleuve demain matin à 6h33. Mesdames, messieurs, merci. Vous fidélité nous avec attention, nous avons croisé lundi pour une autre page météorologique. Bon week-end à chacun de vous. J'ai noté annoncé dans le titre, président de la République, là, Jovenel Moïse, arrivé matin dans le Pérou, dans le cadre de participation dans le 8e sommet américain qui est en main vendredi 13 avril. Là. Sommet ça à bout demain samedi a déroulé sous thème gouvernance démocratique face à la corruption. Depuis Pérou, nous avons rejoint Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay pour plus de détails. Bonsoir, nous sommes présents dans Lima, dans le pays Pérou, côté président de la République, Jovenel Moïse, Pralien, pour passer deux jours dans le cadre du 8e sommet. Pays qui est en Amérique, président de la République, qui a avec lui une délégation, qui a gagné première dame de la République, Mme Martine Moïse, ministre des Affaires étrangères haïtien Antonio Rodrigue, qui a gagné deux conseillers avec lui, avec membres du bureau communication Paléa et puis Télévision nationale d'Haïti. Et bien, thème qui a gagné pour débattre pendant deux jours, sommet et des Amériques, pays qui est en Amérique, 13 à 14 avril, qui a venu là. Et bien, thème principal là, c'est pour la gouvernance démocratique. Face à corruption. Gagner l'autre sous-thème tout cap débat en atelier côté yon vingtaine l'autre chef d'état par accompagné président république là dans atelier ça yo. Sous-thème ça yo divers parmi yo nous capable citer éducation. Nous capable citer tout promotion pour égalité entre femmes et garçons. Nous capable citer tout promotion pour gagner un plus bon code de conduite et pour fonctionnaires yo. Nous sommes capables de parler puisque a parlé de corruption, gagner et des points yo pral aborder tant que blanchiment l'argent, yo pral gagner pour parler de financement parti politique que Haïti déjà rentré dans quatre démarches ça et dans atelier autour yo pral gagner pour débattre sur financement campagne électorale. En gros, c'est expérience ça yo, président République là pral partager expérience Haïti avec l'autre pays qui fait partie Amérique là. Pendant tous deux jours, le président Jovenel Moïse a bien pour participer dans le débat. Et le président de la République, qui a retourné dans le pays lundi 16 avril, qui a venu là, a fait un coup de pied dans l'État Floride, côté de Miami. Le président de la République a bien pour le rencontrer à la communauté haïtienne dans la diaspora. Télévision nationale d'Haïti avec vous. Chaque jour, nous avons un sommet pour faire vivre différents points qu'après le débat en atelier. Nous avons toujours été branchés à Télévision nationale d'Haïti pour connaître ce qui s'est passé ici, là, dans le Pérou, à travers différentes interventions nous et puis interviews. C'était avec vous depuis Pérou, Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Merci Sabine avec Jean-Naël Duvernay. Nous poursuivons une fois qu'on est sur l'invitation Pays Canada. Je suis Carrie Conmieu. Je suis parlé avec le Premier ministre Canada, Justin Trudeau, dans Ville Lima, capitale Pays Pérou, ministre Affaires étrangères haïtiens. Antonio Rodrigue a été rencontré avec Carrie Conmieu avant Contelan dans l'idée pour te mettre d'accord sur le point qui tape dans la discussion. On suit précision ambassadeur haïtien de Carrie Conmieu, Peterson Benjamin Noël. Dans le micro, Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Une question c'est la crise au Venezuela et il y a une autre question qui est le changement climatique, etc. Même pas éviter d'entrer dans les détails puisque c'est des questions sensibles. Pour le moment, nous avons plusieurs personnalités rentrées là. Est-ce que vous avez identifié quelqu'un pour nous? Bon, bien sûr, nous avons et ministre des Affaires étrangères et Guyana qui est là, Belize qui est déjà dans la salle là, Barbade. Et puis, j'aime de là, c'est ensemble de pays qui est comme nous. Mais compte tenu de situation politique, il n'y a pas venu pour des raisons politiques, crise, le fait que vous n'avez pas invité Venezuela, etc. Il y a des pays qui décident pour faire solidarité et juste pas venir à la sommaire. Mais qui ça, il y a une rencontre comme ça, il est capable de tirer là-dedans? Non, d'abord, c'est une question d'harmoniser la position. Mais forme de tout, le président Jovenel Moïse Claire, non seulement il y a une position qui est comme pour aligner au celui, mais lui-même, intérêt à Haïti, tout là, pour obliger de faire le passé parce que le problème à Haïti est différent du problème qui est comme. Et Jean-Noté Anansouli, président de la République, là, Jovenel Moïse, accompagné avec la première dame Martine Moïse, ministre travaux publics, là, Fritz Caillot, avec plusieurs autres personnalités, inauguré jeudi 12 avril, là, premier vol compagnie aérienne Spirit Airlines, Cap-Haïtien, Fort Lauderdale.
Inauguration vol ça d'après président républicain pral aider dans vente potentialité zone ça pendant profiter annoncé yon ensemble mesure pour poursuivre à différents chantiers qui commençaient dans Grand Nord. On suive compte rendu Esaïe Relus avec Hervé Pierre. Vol ça pral assurer trajet Fort Lauderdale pays États-Unis à Cap Haïtien. C'est deuxième destination Spirit Airlines en Haïti après aéroport Toussaint-Louverture dans Port-au-Prince. Voyage cap fréquenter région Noa a capable bénéficier service compagnie aérienne ça pendant 3 jours chaque semaine. Une opportunité pour Grand Noa et spécialement commune Cap Haïtien d'après magistrat ville ça Jean-Claude Bondésir qui salue Jifo président République là Jovenel Moïse. Par ce geste, le caractère international de l'aéroport du Cap-Haïtien se renforce et il doit s'accentuer jusqu'à atteindre l'invincibilité de la citadelle La Ferrière à l'ombre de laquelle il se dresse. Ministre Travaux publics, Transport et Communication, hein, ingénieur Fritz Caillot, souligné, Rivevol Compaïsa, pral aider dans ensemble d'efforts pour aider le département à avancer. D'après ministre Kayo, ça a bâti tout plus ouverti à Grand Noa qui charge potentialité. Accroître considérablement le tourisme de croisière suite à la réhabilitation du tronçon de route Cap-Labadie récemment inauguré ne laisse aucun doute sur le but visé qui est certes l'accessibilité plus aisée à cette région historique. Le relèvement de l'économie découlant d'une augmentation du trafic aérien et par voie de conséquence du nombre de passagers qui vont fréquenter l'aéroport international du Cap-Haïtien et le Grand Nord n'est pas non plus à être sous-estimé. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications est conscient que d'autres actions doivent venir conforter ces premiers acquis de manière à rendre plus accessibles les divers sites potentiels de la région qui peuvent constituer des attractions supplémentaires à l'activité touristique. Président République là, Jovenel Moïse, renouvelé engagement administration là pour accompagner investisseurs tout secteur et filière. Chef l'État annoncé diverses mesures pour poursuivre avec ensemble chantier qui commençait dans Grand Nord. Nous pas construire un téléphérique pour aller citadelle pour mener monde ça yo touristes Spirit Airlines pour aller venir mener au Cap. Nous commencer on a un gros travail qui a fait sur la route quand on a voté. Il y a un petit retard, mais mon cap connaît, je nous promets, n'a respecté la promesse. La route là, asphaltage pour le déraper, pour nous asphalter quand on a pour arriver au doigt. La route qui a fait la mort pour arriver pour neuf là, je suis passé là avant hier, après disons semaine dernière, je vois que la route là a parti ça a fini grasé net. Nous prenons décision pour que dans le cadre de caravane changement, chaussée ça et refaire immédiatement. Après American Airlines, Spirit Airlines, c'est la deuxième ligne aérienne qui pose dans l'aéroport international Cap-Haïtien. Une satisfaction pour dirigeant Spirit Airlines qui remercie accueil potentiel passager yo avec l'État pour accueil. Ministère haïtien qui a vive l'autre bord de l'eau lancé vendredi 13 avril la semaine activité pour marquer journée nationale diaspora qui a fait sous thème vers une meilleure intégration pour une Haïti plus forte et plus prospère. Conférence débat, rencontre avec plusieurs haïtiens qui vivent dans la diaspora, émission spéciale dans la radio, c'est quelques parmi activités qui a déroulé sorti 15 pour arriver 21 avril la. Ministère haïtien qui a vive dans un pays étranger, docteur Stéphanie Auguste, fait qu'on est, c'est pas l'occasion pour haïtiens qui a évolué dans la diaspora, fait passer projet développement yo gagne pour pays a sous bon parle directrice générale Mavila Yolette Mengroal indiqué journée nationale diaspora doit permettre société à reconnaître contribution diaspora dans économie sociale là. C'est une opportunité pour Haïti pendant toute semaine ça pour gagne regard qui fixé sur pays a et pour diaspora frère action yo qui dans l'autre pays ka wè qui ça qui gagne comme potentiel pour venir développer zone yo. Pour Jean-Président Jovenel Moïse, il y a un vœu pour mettre l'électricité, pour développer l'agricole, pour développer la terre. Alors là, c'est nous gagnons par exemple dans
activité que n'a bien un chef de cabinet monsieur Lalo qui a bien parlé nous des opportunités d'investissement pour la diaspora Haïti, en Haïti. Ça veut dire j'aime ce dit là tout chantier qui ouvert pour diaspora venir investir, venir développer pays. Diaspora permet que moun en Haïti joigne un espace pour que justement yo apprendre à connaître ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui service li offri à diaspora en termes de ministère et de transversalité Jean ministre Sodilan et à travers conférence qui a fait dans la presse et conférence débat qui a fait en d'un ministère là avec des spécialistes en sous question diaspora mais ça pral permettre société civile là li informer davantage de travail ministériel et ça va permettre tout que nous valoriser apport diaspora dans processus développement économique pays d'Haïti et ministère là associé la différents institutions dans pays en différents autres ministères et tant qu'au ministère de l'intérieur pour que justement nous mettez magistrats au service de la diaspora côté magistrats dans différentes communes tant qu'au projet ministère saute parler avec jeunes qui a sorti Guadeloupe là c'est environ 8 magistrats dans zone métropolitaine là qui a gagné pour chita avec jeunes ça pour être qui gens yo capable porter coller dans question gestion fatra et secrétaire d'état pour intégration monde handicapé en collaboration avec ONG CBM et puis Union européenne a remis un chèque 2,962,076 gourdes by 6 organisations qui travaillent avec monde handicapé dans plusieurs régions dans pays à 6 organisations sociales saillot et présenté plus bon projet centre pour inclusion t'es organisé dans cadre un concours pour un ensemble un projet qui a duré 6 mois. Reportage, c'est quoi pas qui avec Rémi Gauthier. Sous 12 organisations qui travaillent avec mon handicapé, c'est 6 seulement qui arrivent à remporter concours, présentation, puis mon projet Centre Inclusion, Bureau Secrétaire d'État pour l'intégration de mon handicapé, à ONG CBM t'est organisé. Notre objectif est pour accompagner toute organisation autonome qui a une formation dans le domaine informatique, gestion, pour ceux qui vivent avec un handicap physique. D'après l'explication, secrétaire d'État pour l'intégration de mon handicapé, Gérald Oyo Junior. Et ça fait environ déjà 3 ans que nous travaillons avec une organisation internationale dénommée CBM et l'Union européenne et dans le cadre d'un projet et baptisé Centre pour l'inclusion. Centre pour l'inclusion, c'est une structure qui loge un bureau secrétaire d'État pour l'intégration de mon handicapé au niveau du bureau central de l'Ouest, mais également et de deux autres bureaux départementaux, notamment dans la Tibonite et dans le plateau central. Et Centre pour l'inclusion là pour vraiment accompagner et associations, organisations, mon handicapé et renforcer la capacité sous différents thèmes vraiment. Par exemple, leadership, élaboration de projets et offrir autour un cadre côté et capable et renforcer et tête. Par exemple, et à travers cette classe, si vous avez une nécessité pour faire des réunions de travail, vous êtes capable d'utiliser l'espace de cette classe, vous avez besoin d'utiliser ordinateur et photocopieuse, vous êtes capable d'utiliser matériel qui est dans cette classe. Donc, c'est un soutien vraiment qui est là pour accompagner et renforcer la capacité technique, association, organisation, mon handicapé. 2,960,076 gouttes, c'est quantité d'argent ONG CBM avec l'Union européenne mettait à disposition 6 organisations pour démarrer le projet, d'après l'ambassadeur Union européenne Vincent Degère et représentant CBM Arnaud Hull. Nous avons un engagement très fort pour créer une société plus solidaire, plus inclusive. Et c'est ce que nous faisons avec le secrétaire d'État ici pour essayer non seulement de faire adopter des lois et de faire appliquer ces lois. C'est pas toujours facile. Quand on regarde les bâtiments, on construit pas toujours des bâtiments qui sont facilement accessibles pour les personnes handicapées. Ou quand on fait des routes aussi, de penser effectivement au rôle des personnes handicapées dans ce contexte-là. Donc c'est un effort permanent de persuasion. Et puis ensuite, il faut aider les organisations locales de base qui travaillent là-dessus. Donc on est très heureux de montrer aujourd'hui que l'on peut aider très directement des associations qui vont aider les personnes handicapées à être plus autonomes. On essayait de vraiment trouver les besoins au terrain et on travaille avec les organisations comme BISAF
en Haïti, mais aussi avec les autres ONG, organisations non gouvernementales de tout le monde, pour les faire des personnes handicapées. Représentant organisation Timoun Handicapé d'Haïti et mouvement intégration Moun Handicapé dans la ville Saint-Marc, c'est parmi six organisations qui remercient ONG, CBM et l'Union européenne pour moyen financement ça qui va permettre d'atterrir le projet de développement. Ah, moi vraiment apprécié. Parce que chaque organisation qui travaille avec un groupe Moun Handicapé, c'est où est que l'assistance non seulement est adéquate et intégration l'a pas avancé côté que dans sensibilisation ou pas regrette faire sensibilisation pour intégrer mon handicapé dans tout ça qu'a fait dans pays a organisation ça yo qui sorti dans département la Tibonite plateau central l'ouest gain 6 mois pour remettre rapport sur ensemble projet y a exécuter yo c'est moment pour observer une pause commerciale n'a tenir avec l'autre information. À poursuivre avec information, merci pour fidélité et attention. Justice et politique dans les écrits du pape François, c'est sous thème ça, vice-rectorat dans affaires académiques Université l'État, organisé vendredi 13 avril là, yon journée étude. Activité ça a été organisée pour différents docteurs dans divers domaines, tant que sciences politiques, sociologie, droit et philosophie, brasser l'idée sous vision pape François avec étudiants qui étaient présents dans activité ça. Yon compte rendu, Rachel Saint-Fort avec Moïse Wilbridge. Faire étude, encourager jeunes étudiants pour faire débat, poser questions sur un ensemble de pensées qui a aidé le pays à avancer à travers ça ou écrit. C'est dans l'idée de ça, responsable vice-rectorat dans les affaires académiques dans l'Université de l'État, organisé journée étude ça sous cardinal Jorge Mario Bergoglio, pape François. Qui proche nous? Et puis c'est petit immigré, c'est-à-dire que c'est papa c'était italien, mais il fait dans l'Argentine. Et puis, comme il y a un bon livre qui a écrit sous pape François, il y a près plus qu'une centaine de livres qui déjà écrit sous monsieur. Nous-mêmes, nous disons en Haïti, comme Université d'État d'Haïti, nous disons, bon, on organise une journée autour de figure ça, qui ça monsieur dit, pour que ça nous parle comme ça de lui à travers le monde. Activité ça, c'est l'occasion pour divers professeurs, docteurs dans divers domaines, garder avec étudiants une vision pape François sous justice, dette sociale, questions politiques. Question mondialisation et différence, c'est un point. Pape François abordé dans le livre Lio, qui était dans le temps des bails autour. Organisateurs ont utilisé le concept ça pour encourager la population puis solidaire avec l'autre. Jean-Pape François dit là, pour sortir dans la mondialisation et différence pour aller dans la mondialisation fraternité. Notion de dette sociale là, est importante, oui. Ça veut dire que nous avons une dette vis-à-vis de tout le monde qui vit dans le pays. Ça veut dire que, nous avons dit, depuis le monde, c'est le monde. Ouais, c'est sa question de dette là, oui. Depuis le monde, c'est le monde. C'est pour ça que nous retournons avec notion de dette sociale là, qui est importante. Ça veut dire que depuis le monde, c'est le monde. Écoutez bien, depuis le monde, il doit manger, il doit travailler. Ça, c'est dette ça. Ça veut dire que le gouvernement a une dette ça vis-à-vis du pays. Vis-à-vis population. Même question politique là, pas une politique. Donc, papa là, il parlait de réhabilitation de la politique, refondation de la politique. Politique là, c'est mon bail qui sale. Faut avoir, monsieur dit politique là, c'est mon bail qui noble, son bon bagaillé. Mais maintenant, monsieur dit que yon moun pas capable de gouverner sous parmi pays. C'est prendre des pas ça. Sous parmi pays. Et gon bagay monsieur habitué dit par François, il faut porter la patrie sur ses épaules. Maintenant, aujourd'hui, comment porter la patrie sur nos épaules? Journée étude ça, c'est une parmi une série responsable au comté organisé. Dans mois qui vient là, professeur Ewald Toussaint annonce une autre journée, il prévoit faire sous antenneur fermé. Organisation Haïtien Observation Promotion et Défense Droit Moun OHDH signe vendredi 13 avril là un protocole accord avec plusieurs organisations moun handicapé. Accord ça cap durer 2 années pour permettre moun handicapé au gain accès à la justice même gens avec tout moun dans société a sans yo pas dépenser un goud selon coordonnateur général OHDH là Joanne Merzius. Un extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Moïse Wilbridge. Avec accord ça que nous signons entre OHDH, UFMORH et AFHS, donc nous mettons la justice là à la portée des personnes handicapées. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que sous base accord ça, lorsque une violation de droits humains, organisation signataire ou y a bien pour eux
prend dossier à porter le bail Observatoire haïtien des droits humains. Observatoire haïtien des droits humains, lui-même, il a pour le faire tout simplement suivi juridique que cas nécessité sans contrepartie. Sans contrepartie, ça veut dire que l'organisation des personnes handicapées, les gens qui vivent avec handicap, une fois qu'ils soumettent un dossier à OHDH, ils n'ont pas un peu cassé tête pour que sur l'argent, ils n'ont pas payé un goutte parce que son accord qui fait sous une base de gratuité. Accord ça a lié là dans 10 considérants dans le préambule là et 10 articles qui permettent que nous prévoyons durée accord ça qui c'est 2 ans et éventuellement à bien renouvellement accord ça, mais chaque année pendant 2 ans ça n'a rien pour nous évaluer accord là pour nous voir qui ça mérite fait davantage, qui ça mérite changer pour nous capable plus bon résultat. Et plateforme politique Réponse Paysan en tête collée à plusieurs autres organisations politiques annoncé yon chita palé à réaliser 27 avril prochain pour brasser l'idée sous position yo sous caravane changement. Bah Telmi Jiné qui t'a pas réagi non toute partie politique yo dit féliciter travail président républicain Jovenel Moïse a réalisé dans tout parcours caravane et puis souhaiter gouvernement continuer travail dans intérêt population. Excel à micro Elisa Colo avec Frisnel Toussaint. N'a profité conférence pour la presse pour nous féliciter à toute force et sans réserve président républicain là monsieur Jovenel Moïse pour que son caravane changement qui est entré dans le département de l'Ouest là. Nous-mêmes, représentants de l'entité SAO, a précisé pour tout le monde, dans la date 27 avril 2018, Cap Vinel là, c'est pour aller un gros chita attendu pour nous parler ensemble. Parce que caravane changement, ce n'est pas nous, on nous fait ensemble. Chita parle ça, a fait. Dans le kiosque occidental, champ de masse. Nous avons commencé depuis 10h du matin pour nous finir 10h après-midi. L'autre point dans le journal, Fritz Gérard Jean-Baptiste, c'est un boss tailleur qui a pratiqué le métier ça depuis passé 25 l'année. Bon Jean-Baptiste, pas caché, valait avec importance métier ça dans la ville et la famille. On suit un portrait avec Ansi Mars. L'irélé Fritz Gérard Jean-Baptiste, depuis l'année 94, l'a pratiqué le métier tailleur dans Port-au-Prince. Client au Baltinon Gérald. Pour bon Giral, pas gen pi bel métier pas ces couti. Et là dans le décaire là. Bon et là dans le métier mon l'école. Pendant 21 l'année la fait métier ça, bon Giral rappelé le coup jodi à façon l'été commencé, à qui j'en li partager et puis fait un pile l'autre boss profiter expérience dans métier. C'est pas dans décaire dit. Même quand il m'a fait rad fi. De temps en temps des bon boss c'est pareil que relu sur ta côté non. OK. Si on moun paraît là tout lui fait des coups de machine là tout, il pas comprendre non bagaille. Li gen droit di bon ça m'pa comprendre non. Et puis moi gen droit monter. Difficulté ak trakay en pile pour un boss tailleur dans pays d'Haïti. Problème ça yo pas décourager bon Giral qui était quoi moment satisfaction gen plus importance pour lui-même ak famille. La fois dernière yo relé ma province yo di mon gros moun ki mouri. M levé m pa gen un goud nan poche. Et puis m'ap descend nuit là et puis gon moun ki relé m ki di m koto e là. Ndim nan zon nan ndim bloc premier avenue la di bon besoin la m go bay pour faire moi la ouais c'est à dire m'ta doit aller la moi même matin puis mon bam fo bay pour lui bam $400 même côté a et puis me lever avec toute toile sans beaucoup faire et puis me lever mal la moi passer son urgence et puis comme une fait depuis là ça me content on dit si m'ta taille m'la devenir ndé ka go l'autre profession venir mais taille mais m'obligé taille pour me dire faire venir ça marque m'appelle. Tant qu'on pile l'autre jeune dans l'époque là, mais c'est taille pas de j'aime dans l'esprit, il était envie apprendre. Pour me détailler, c'est pas comme ça qui était dans l'esprit. Nous sommes ça me déremé. Nous sommes déremé, communication me déremé. À l'époque, de l'école de Timoun. Pour qu'on ait l'autre Timoun, nous toujours penser au paquet de bagailles, mais son avec son parent. Mais, on y a là, 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 il y a une fréquence, je me dis que je suis en train d'apprendre, il va bien me dire ça. Et puis je choisis taille. Mais pour qui ça?
Les mal fait uniforme quand on bosse ça, tellement ouais monsieur Chelbert a uniforme centimètre dans coule la coupe étoile et tout un plaisir moi pour regarder monsieur. Avec Ndere mais Benisto pour tes crayons des oreilles. Fritz Gérald Jean-Baptiste a travaillé depuis plus de 10 l'année dans atelier couture qui est au style idéal qui créé dans l'année 1984. Shop taille ça qui trouvé dans Kafouri Romain avec Maglo Ambroise, c'est réunion plusieurs boss taille qui fait non yo dans métier ça. Good Birth, c'est une organisation cap travail non a fait la santé. Vendredi 13 avril là, c'était occasion pour responsable Good Birth de rencontrer femme sage avec sage femme qui sorti dans plusieurs zones en pays a pour poser problème maison de naissance. Participants yo encouragé qualité chita palisa yo sou métier ça qui gagne en pile importance non la vie femme enceinte. Yon extrait dans micro Ansi Mars à Kervi Pierre. C'est un concept qui est un nouveau pour Haïti, mais globalement, il y a travail pour mettre maison de naissance dans un paquet de pays. Pour qui ça? Parce que vous finissez par rendre compte que maison de naissance, côté, vous avez soin à femme enceinte, petit bébé seulement. C'est un bagage qui vraiment bail, un résultat extraordinaire. Côté, non seulement vous diminuez taux mortalité et maternelle, néonatale, femme yo joine pi bon soin, un soin qui respectueux, un soin qui vraiment et répond à besoin. Et pour qui ça? Parce que l'hôpital fait pour moun qui malade, qui a une pathologie, qui a des maladies. Une maison de naissance, c'est un espace côté que femme nan vini depuis le lit, peut-être pour comme enceinte, li vle konnen s'il ka enceinte, li prend soin pour l'enceinte et puis l'enceinte yo bal soin jusqu'à ce que l'accoucher et puis après ça jusqu'à 6 semaines, li gen soin avec sage femme yo. Vu Good Birth là, c'est que pour les gens que menti dit pour réunir tout le monde ensemble pour nous capable comment nous capable améliorer qualité de soin yo, avec pour nous comment que nous capable fait que sage femme plus engagée dans le travail sauver la vie maman avec sauver la vie petite en Haïti. Nous même nous sorti aux États-Unis, nous avons une fondation qui relie les femmes, fondation pour avancement des sages femmes en Haïti. Nous travaillons en collaboration en pile avec association sage femmes en Haïti, avec l'école sage femmes. Nous voulons que pour nous bailler aux outils pour aider eux élever tête comme profession et puis continuer by tête éducation, nous faire conférence pour eux pour capable continuer à jour avec tout ça qui gagne. Et le regroupement journaliste reporter local continue à réclamer résultat enquête bon côté autorité la police sous disparition photojournaliste Vladimir Le Gagneur depuis date 14 mars non quartier Grand Ravine. Responsable regroupement journaliste reporter local mandé autorité police nationale là pour prendre toutes mesures nécessaires pour tabler sécurité dans quartier populaire yo. Jacques Innocent à Kafegens Kaves Paul dans micro Pakisen Kwa à Moïse Wilbuchan suivre. Le regroupement n'a exigé résultat enquête ça. Non titan qui pas trop loin ou bien pressé parce que faut yo ban nous résultat enquête là pour nous connaître trace Vlad. Nous besoin connait côté Vlad passé. Est-ce qu'elle mouri, est-ce qu'elle vivant? Moun ki pou vini pou yo pou vini, moun ki pou juge pou yo juge. Donc c'est ça on a cherché. Nous vinn mandé les plus hautes autorités du pays pour yo prendre responsabilité. Prendre responsabilité à qui Jean. C'est prendre toute disposition possible et imaginable pour mettre en place un ensemble de stratégies qui va le permettre souvler que yo rive désarmé moun dans zone ça qui gen zami légal nan men yo. Qui livre dans une dynamique de banditisme, qui terrorise la population, hein? Prend les amis dans les mains, pacifier les zones qui aujourd'hui sont des zones qui sont quasiment inaccessibles, que les gens ne peuvent pas fréquenter, les gens ne peuvent pas rentrer, les gens ne peuvent pas vivre là-dedans. Yo. Et puis mettre les gens autour dans une dynamique de réinsertion. Voilà, c'est le moment pour nous observer notre pause dans le journal. On a tenu avec l'autre information. N'a fait un coup de pied kounya nan pays l'autre bord de l'eau, éviter une guerre qui implique États-Unis à Kalilio, c'est priorité la Russie. Une déclaration ambassadeur russe dans l'ONU, Vassili Nebenzia. Toujours d'après Vassili Nebenzia, Américain à Kalilio, droit camper sous toute action militaire contre un État souverain. Ensuite.
après une réunion en privé, membre conseil sécurité qui était déroulé jeudi 12 avril 2018 là, sous dossier yon éventuel guerre États-Unis ak allié yo avec la Russie, la ici mandé une réunion publique conseil sécurité en présence secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres vendredi 13 avril 2018 là sous même sujet. Ambassadeur Moscou dans l'ONU Vassili Nebenzia lancé un rappel rapide pour ambassadeur Vassili, priorité à c'est éviter danger en guerre ak États-Unis ak allié yo. Ambassadeur Rousla déclaré nous espérer nous pas priver dans un point côté nous pas casser tête tourner. États-Unis à Kalilio doit camper sous toute action militaire contre un État souverain. Toujours d'après Vassili Nebenzia, nous comprendre danger en tension après une situation vint plus compliquée parce que ça pas concerner la Russie seulement puisque militaire nous yon dans pays Syrie sous invitation gouvernement syrien. Yon éventuelle action militaire cap gen nan tête président Trump ak soutien la France et puis probablement Royaume-Uni menacé frappé régime Damas la. Ministre défense américain James Mattis fait qu'on est États-Unis à continuer consulter à l'île sous dossier ça et spécialement dirigeants occidentaux y en suivent. Yon année après, première opération militaire américaine contre régime syrien occidentaux menacé frappé régime Damas la. Qui démentit toute responsabilité dans l'utilisation des armes chimiques. Ministre de la Défense américain, Jim Mattis, a exprimé inquiétude face à dirigeants occidentaux. Il y a une préoccupation tactique. Nous ne voulons pas la cause de l'autre civil perdre la vie. Yo. Nous voulons faire tout ça dans le pouvoir nou, pour éviter ça. Nous essayons de mettre en bout et détruire la vie des innocents. Et sur un plan stratégique, il a voulu dire éviter une tension côté de perdre le contrôle. La. Officiellement, aucune décision finale pour quoi adopter. Entre-temps, États-Unis continuent à consulter alliés lieu. Nous avons quelques options possibles, mais en un pour décider. D'après porte-parole Maison Blanche Sarah Sanders, perspective une action militaire cap gen en tête le président Trump ak soutien la France et puis probablement Royaume-Uni inscrit dans un contexte tension avec la Russie alors que relation était déjà dégradée depuis affaire ancien espion russe Sergei Skripal qui était empoisonné dans pays Angleterre. N'a pas tenu la caille pour une fois qu'on est Centrale Nationale Ouvrier Haïtien avec Respect Ouvrier Haïtien dénoncé vendredi 13 avril la révocation jugée illégale plusieurs employés victimes dans l'entreprise Visa de Haïtien S.A. Responsable organisation SAIO souhaité ouvrier yo réintégrer dans le travail. Coordonnateur général CNOH Dominique Saint-Loi a apporté plus d'explications dans le micro Miltred Milias avec Rémi Godji. N'a pas rappelé article 225 code de travail là bay droit avec travailleur yo il garantit pour yo capable défendre droit avec droit légitime yo et Haïti lui-même li ratifié convention 87 98 qui bay travailleur droit pour yo faire syndicat. CNO a demandé pour Wilbert reprend tout ouvrier yo révoqué yo d'une façon arbitraire et réintégrer dans place travail payer au jour fait de yoyo. Et micro nous rete l'ouvrir pour responsable compagnie Vabs de HNSA si toutefois vous avez réagi. Après le grand point avant nous aller, président République la Jovenel Moïse a trouvé dans pays Pérou côté la participer dans 8e sommet américain. Sommet ça kabout demain samedi a déroulé sous thème gouvernance démocratique face à la corruption. Ministère haïtien qui vive non pays étranger lancé vendredi 13 avril la semaine activité pour marquer journée nationale diaspora qui a fait Anissa sous thème vers une meilleure intégration pour une Haïti plus forte et plus prospère. Secrétaire d'État pour intégration, mon handicapé, notre tête collée à ONG CBM et puis Union européenne remettent un chèque à 2 962 000 goudes par 6 organisations qui travaillent avec mon handicapé dans plusieurs régions dans le pays. Organisation haïtienne observation promotion ak défense droit monde signé vendredi 13 avril là un protocole accord de l'année ak plusieurs organisations moun handicapé pour permettre yo gain accès à la justice même gens à tout monde dans société. Compagnie aérienne Spirit Airlines inauguré vol Cap Haïtien Fort Lauderdale, cérémonie s'est déroulée hier jeudi 12 avril là en présence président Jovenel Moïse, première dame République là, ministre TPTCA, parlementaire Noyo ak plusieurs autres personnalité. Éviter faire la guerre avec États-Unis et puis aller lieu, c'est
priorité la Russie. Déclaration ambassadeur russe dans l'ONU, Vassili Nebenzia, américain à Kalilio, doit camper sous toute action militaire contre un État souverain, selon diplomate là. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal TNH pour aujourd'hui, vendredi. Nous souhaitons passer un très bon week-end. À bientôt.